Eh bien, salut tout le monde, c'est Narus. Donc, excusez-moi pour le bruit de chaise. Aujourd'hui, ça sera une vidéo sûrement découverte pour certains d'entre vous. Et certains connaissent ce jeu aussi. Et franchement, comment ne pas le connaître? Il est juste excellent. Il est addictif et pourtant, c'est pas. Comment dire? C'est pas un jeu avec des super graphismes, mais c'est vraiment un de ces jeux qui est très addictif. Là, j'ai dû foirer sur le mot. Donc on va lancer une petite partie. Je pense que par vidéo je ferai 2 jours. Mais les vidéos ne pourront pas sortir. Enfin si, les vidéos pour l'instant sortiront tous les jours. Après ça, je verrai parce que c'est en fonction de mon travail. Donc on va faire news. Voilà. Donc là ils me disent félicitations. Donc la loterie d'octobre est complète. Mon nom a été tiré. Donc là, mon placement immédiat par le ministère des admissions, blablabla, le checkpoint. Donc en gros, je suis une sorte de douanier, un truc comme ça. Donc moi et ma famille avons été placés dans un classe 8, dans Esgristin. Ouais. Donc là, Glory to Arthoska, je pense que c'est comme ça qu'on doit le dire. Je suis pas sûr. Donc tous les matins, quand vous commencez le jeu, en fait, vous avez le... Chaque jour que vous commencez dans le jeu, vous avez le journal tout simplement avec les infos et tout. Donc là, on est le 23 novembre 1982. Donc là, on a la foule qui attend. Là, on a un garde. Bon, les voitures qui passent. Donc ça, tous les jours, on a ça. Donc c'est les règles à faire aujourd'hui. Donc là, ils me disent bienvenue, tout le bordel. Il me dit qu'il n'y a que les Arthoscans qui ont droit d'entrée, seulement eux. Hein. Donc là, c'est à quoi ressemble un passeport, comment reconnaître si c'est des Arthoscans ou non. Ça, c'est comment ça fonctionne tout ce bordel. Vous allez voir ça au fur et à mesure. Voilà, et ça, c'est encore le journal. Donc pour l'instant, ça, j'en ai pas besoin. Voilà, donc j'ai ça. Donc là, il y a la taille. Mais ça, je dis ça maintenant, mais ça sera pour plus tard dans le jeu. La taille, ici on a l'heure, la date, ici il y aura écrit tout ce qu'ils disent, il y a le poids qu'ils font, et une fois que j'ai leurs documents qui vont passer par la fente là, je vais les mettre là, je vais l'analyser, puis s'il est pas bon, hop, je les refuse, ils dégagent, et puis s'il est bon, bah hop, ils peuvent rentrer dans le pays, il n'y a pas de problème. Donc, par exemple, on va en faire passer un. Donc, ouais, déjà la tronche. Donc lui, on voit qu'on voit qu'il vient d'Arthoska, donc il a le droit d'entrer, donc je valide. Donc le jeu est payant, bien entendu, mais il est pas vraiment cher. J'ai dû le payer 7€, je crois bien. Donc là, on voit qu'elle vient de un port, donc un port, hein, hop, à dégage tout simplement. Donc ça a l'air simple, mais au bout d'un moment ça va se compliquer, ils vont avoir de plus en plus de papiers et tout le bordel. Ça va être vraiment compliqué, après des fois je vais laisser passer parce que je vais croire que le papier il est bon. Mais le truc c'est que des fois ça peut être une faute d'orthographe dans le nom de famille quoi. Alors que regardez des fois le nom de famille, voilà quoi. Je crois qu'à la fin ils ont le passeport... Le permis d'entrée mais amélioré, il y en a un deuxième sorte. D'accord, lui il m'a dit que c'était une erreur d'avoir ouvert ce poste de douane. Mais écoutez, moi ça fait du boulot. Donc Arthos qui est rentré. Donc je disais, le passeport, le permis d'entrée, la deuxième version. Les papiers comme quoi ils ont été vaccinés contre la polio, il me semble. Ensuite, je ne sais plus trop quoi. Je sais que les Arthoscans ont besoin d'une pièce d'identité. Et s'ils viennent travailler dans le pays, il faut un papier comme quoi ils viennent travailler, la date d'où ils arrêtent. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vérifier. Tiens, voilà. Si j'en fais passer un et que c'est pas bon, je vais recevoir un petit ticket rose, donc c'est une petite truc comme dire hey, t'as fait passer quelqu'un qu'il fallait pas, tu vois. Il y a toujours quelqu'un qui vérifie après moi en fait, au niveau de cette ligne, enfin au bout de ce petit à peu près vers là, je vois si je reçois le papier ou non. Donc le premier et le deuxième, je ne reçois aucune pénalité.
Mais à partir du troisième, à chaque fois, je vais recevoir 5 points de pénalité, donc 5 crédits. 5 crédits, c'est quand je fais passer une personne, je gagne 5 crédits. Donc je fais passer la personne, elle compte pas et je perds les crédits. C'est ça le pire. Bon, après, il peut y avoir des attaques terroristes, des bombes et tout. Franchement, il est bien comme jeu. Je vous le conseille. Mais bon, des fois, vous allez croiser des gens avec des têtes bizarres, quand même. Il y en a un que j'aime bien et il est toujours habillé en rouge. Il essaye tout le temps de passer. Il avait même dessiné lui-même son passeport. Les traits, ils étaient pas droits et tout. C'était pas mal. Donc là, quand ça sonne, en fait, tout le monde part. Vu que bah, c'est fini la journée. Donc là on voit que je suis dans un classe 8. Donc au fur et à mesure que je gagne de l'argent, que j'ai assez économisé, je pourrais augmenter mon appart en fait, passer en classe 7, 6, 5. Et puis après j'ai jamais vu. Donc là ils me disent que c'est la fin du jour 1. Donc là il y a ma femme, mon fils, ma belle-mère et mon oncle. Et oui, tout ça à nourrir. Donc là on a 4 passeports comme ils sont 4. Donc là, c'est le saving, je sais même plus ce que c'est, le salaire, donc 13, j'ai eu 65 crédits. Donc le rent, c'est le loyer, le food, bah, c'est la nourriture, tout simplement. Et ça, c'est le chauffage, il me semble. Oui, c'est le chauffage. Donc une petite technique pour gagner plus d'argent, enfin économiser pas mal, bah, ils vont manger un jour sur deux, tout simplement. Et après ça coûte cher. Donc là vous voyez, c'est le jour numéro 2, donc je me lève, hop, le petit journal. Donc là ils me disent comme quoi là où j'ai commencé à travailler, bah c'est un succès tout simplement. Bon là après c'est des blabla, hein, peu importe. Donc là ça continue, hein, 24 novembre 1982, avant on était le 23, on reste dans la logique, hein. Donc pour aujourd'hui tout le monde a droit de rentrer s'ils ont un permis, un passeport valide. J'ai une inspection comme quoi si la tête est différente par rapport au corps, enfin si la tête de la personne sur le passeport est différente par rapport à sa tête par exemple, bah, je vais sélectionner sa tête puis sa tête à lui et puis hop voilà ça, je vais lui poser une question comme quoi dire ouais c'est bizarre votre tête elle est pas pareille que sur le passeport. Ça me sert à poser des questions et des fois ils répondent des choses marrantes. Voilà, bah, blabla. Ensuite, il m'explique comment ça fonctionne ceci. Voilà. Je vous mettrai sûrement dans le lien la description. Je vous mettrai dans la description le lien où télécharger le jeu. Donc après, libre à vous franchement, je vous conseille de l'acheter parce qu'il est vraiment bien. Mais bon, certains le craqueront, je comprends. Voilà, donc là, ça c'est des questions en fait. Donc, s'il, par exemple, il me donne pas son passeport, je sélectionne ça, et puis là, il n'y a rien, hop, et puis basta. Ok, donc là, je vais garder parce que sur les passeports, il va falloir vérifier les pays, et oui, parce qu'il y a Lobristan, Lantegria, Republia, United Federation, Import, Colchia et Artoska. Donc, chaque truc, il y a des villes. Et par exemple, le bistron, hop, il y a Scal et tout. Après, il va y avoir des falsifications de tampons et tout. Vous allez voir, c'est compliqué au bout d'un moment. Donc, commençons. Donc, par exemple, Republia, hop, on va regarder. Republia, Truglorian, c'est bon, femme, sa tronche correspond. La date, le passeport est encore valide, femme. Ok, hop, j'approuve, elle peut passer. Et il faut plutôt se dépêcher si on veut faire de la thune, si on veut nourrir sa famille. Un jour sur deux. Integria, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué que je me souviens même plus des villes et tout. Avant je les connaissais bien. Attendez. Regardez. La date n'est pas bonne en fait. Son passeport n'est plus valide. Donc là, hop, je lui dis ton document a expiré et tout le bordel. Il me dit ah, je sais pas de quoi tu parles. Hop, voilà. Excusez-moi pour le reniflement. Je suis un peu malade. Je dois avoir une voix bizarre. Republia, hop, Lorenzani, ok. Voilà, il y a écrit que c'est un mâle. Donc pour l'instant, je suis obligé de la refuser parce que plus tard, j'aurai un scanner qui va me montrer cette partie intime pour savoir si c'est bel et bien
un mec ou une meuf, tout simplement. Je vois pas comment dire ça autrement. Et aussi si elle a de la drogue sur elle, si elle a... Attendez, Esgrécine, il faut que je me concentre un peu dans le machin. Ok, tout ça c'est phallique, ta tronche c'est bon, hop, tu peux passer. Donc si elle a de la drogue, des armes, des bombes, des trucs de contrebande, un peu tout quoi. Oula. Et aussi au bout d'un moment je vais pouvoir faire une recherche d'ADN pour voir si c'est bel et bien elle sur la photo et tout. Donc là entre autres je lui dis la photo elle correspond pas, elle me dit les années ont été cruelles. Je suis cruel aussi, tu dégages. Oui, il y aura une recherche d'ADN et tout le bordel. Enfin, d'ADN d'empreinte, je veux dire. Donc la tranche correspond à Trosker, Rajvanor, ok. Donc voilà, je vais pas. J'allais dire quelque chose, mais. Hein, c'est une gentille dame, on va dire ça. Hein, c'était valide, hop, tu peux passer. Donc là, elle me dit, ouais, elle est là pour 2 mois, venez voir, hein, je pense que vous avez compris. À mon avis, il n'y a pas tout le monde qui va comprendre. Mais on peut pas y aller, hein, rassurez-vous. Colechia. Donc, je me souviens plus aussi de Colechia. Regardez. Voilà, donc en fait, quand il y a un attentat comme ça, terrorisme, donc là, entre autres, il tire dessus, il va jeter une grenade, il va tuer tout le monde. Et bah, en fait, tout se ferme automatiquement. Et malheureusement, tout le monde court, donc la journée est finie. Voilà, donc ça fait moins d'argent vu que j'ai fait passer moins de personnes, c'est pour ça qu'il va falloir manger un jour sur deux parce que il suffit que je les fasse manger chaque jour et tout et puis je vais avoir de moins en moins d'argent. Mon fils a besoin de médicaments, d'accord. Ah là là, ils sont chiants à faire des attentats comme ça. Je me souviens que j'avais déjà joué à la campagne et qu'il y a un moment c'était pas juste le petit perso qui lance la grenade, c'était genre 2 motos qui arrivaient qui tiraient sur tout le monde et tout le bordel. Au bout d'un moment ça devient chaud. Donc là hop, on va pas regarder parce que les 2 jours sont passés, ça y est. Hop, le menu principal. Donc voilà, donc c'est fini pour l'épisode numéro 1, donc ça sera peut-être une découverte pour certains d'entre vous, putain de chaise. Et bah si vous, ça vous a plu, dites-les moi dans les commentaires, blablabla, likez, un peu tout comme c'est traditionnel, hein, on dit toujours ça. Donc je n'oublie pas surtout de vous mettre le lien dans la description, il faut pas que j'oublie. Donc voilà, à bientôt dans l'épisode numéro 2, ciao tout le monde.